C'est Solidaire d'abord sur Fréquence 7 et aujourd'hui on est trois. Hein, bonjour Alain, bonjour, bonjour Denis. Et donc voilà la première chose dont je voulais parler. Alors d'abord on va parler des élections présidentielles parce que c'est la mère des élections quand même. C'est le moment. Hein, c'est le moment ou jamais. Et on va voir que par rapport au CSA on a encore un peu le droit d'en parler parce qu'à un moment il va falloir faire attention à comment on en parle. Mais avant toute chose, je voudrais parler d'une actualité chaude, difficile. Il y a un monsieur qui s'appelle Georges Ibrahim Abdallah et qui est en prison en France depuis 1984. Donc, ça fait bientôt 40 ans. Hein, ça fera 40 ans dans 2 ans. Tout le monde doit se dire, celui-là, ça doit être un affreux, mais vraiment un affreux vilain, parce que la France est un état de droit. Normalement. Hein. Alors, ce monsieur, c'est un communiste libanais qui se dit révolutionnaire, communiste, anarchiste, antifasciste et anti-impérialiste. Il a été arrêté pour faux papiers en 1984, puis condamné pour détention d'armes, parce qu'ils ont trouvé une cache d'armes où il y avait des copains à lui qui avaient des armes. Donc il a été assimilé, il a nié que les armes étaient à lui, mais c'est pas grave. Puis ensuite, il a été condamné à perpétuité pour complicité d'assassinat. Puisque, en fait, il y a un assassinat, il y a quelqu'un qui a été assassiné, qui était un monsieur de la CIA. Voilà. Donc, voilà. Et son avocat d'alors reconnaît l'avoir trahi. Donc, il l'a pas défendu. Et en 99, il était condamné à perpétuité en 84, en 99, il était théoriquement libérable. Bon. La perpétuité dure pas tant que ça, finalement. Mais il est toujours en tôle. Il aurait dû être libéré en 2013, et Hillary Clinton a demandé à Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, que la libération soit annulée. Ben, elle a été annulée. Donc le gars, il est toujours en tôle. Et on est en 2022. Et donc Jacques Vergès, son avocat, démontre le veto des USA, c'est-à-dire que c'est les USA qui pèsent sur notre justice et qui font qu'il est toujours en taule. Alors, il y a une manif devant le tribunal administratif de Paris, le 27 janvier, dans 2-3 jours, à 13h30. Voilà. Ouais. Mais oui, la justice française, là, dans ce cas-là, elle tient compte de la vie de pays étrangers, mais Assange, c'est pareil, hein. c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, pour Assange. C'est exactement pareil, c'est les États-Unis qui mettent la pression pour. Mmh. Et là, il est en Angleterre, et c'est le même problème. Hein. Assange, il est, bon, disons, en grande difficulté physique parce que, et morale. Parce que vraiment, il est isolé, et il subit la justice anglaise, disons, parce qu'il a dénoncé, des agissements des États-Unis. Et du coup, il a payé les conséquences. Les lanceurs d'alerte, suivant où on est, à qui on lance l'alerte, qu'est-ce qu'on dénonce, et des fois, ils en subissent des très lourdes conséquences. Et il est toujours, je crois, défendu par Joanne Branco. Entre autres. Alors, tu disais, toi, Alain, que justement, la justice française, c'était un peu particulier, enfin, l'état de droit. Il y a des choses, des fois, oui, qui sont surprenantes. Oui, moi, je peux raconter une petite histoire. J'ai un fils qui. Mathias Lacoste, qui est assez connu parce qu'il s'occupe d'une association importante, hein, où il y a 4000 membres, hein, donc c'est quelque chose d'important sur le plan national. Et il vit dans l'Auvergne. Hein, et un jour, il a acheté, comme il était dans la campagne, il a acheté un fusil, mais un fusil de chasse. Hein, donc il n'est pas chasseur, mais il achète son fusil de chasse. Et il a eu la visite. Après la déclaration par l'armurier, il a eu de multiples visites des gendarmes. Il a bien compris qu'on allait lui reprendre ce fusil.
parce qu'il y avait un doute sur son honnêteté. C'était qu'un doute, hein, parce que, bon, il n'a jamais été violent. Alors, c'est curieux, parce que moi, mon père était chasseur, donc j'aurais très bien pu lui porter un fusil de mon père, et personne n'en aurait rien su, quoi. Hein. Donc, bon, les seules choses qu'on peut lui reprocher, éventuellement, c'est qu'il a... Il y a eu des actions, disons, sur Paris, par rapport aux sangs contaminés, enfin, des actions assez fortes, mais où il a eu des gardes à vue, enfin, des choses assez importantes, où il a rassemblé des gens, et que son association, disons, a 4000 adhérents, donc c'est une certaine force, quoi. Hein, et il a contrarié, on va dire, c'est plusieurs ministres, quoi. Dans le genre exemple aussi, tu nous parlais d'un cantonnier. Alors, lorsque j'étais maire, oui, à Saint-Julien-du-Cerf, il y avait un cantonnier, un jour, enfin, un cantonnier qui était habilité à tirer les feux d'artifice, artificiers. Pour le 14 juillet. Pour le 14 juillet, voilà, comme dans beaucoup de cantonniers, disons, dans beaucoup de communes de France. Saint-Julien-du-Cerf est là, hein, vous avez entendu, j'ai su, quoi, enfin, que ce cantonnier était fiché S. Fiché S. Alors que le gars, c'est vraiment un super brave type, tranquille. Sur de feu d'artifice. Je dis, mais enfin, comment ça se fait que tu sois fiché S? On a cherché à comprendre, parce que là, je me disais, mais quand même, c'est une erreur ou quoi? Et uniquement parce que le gars tire des feux d'artifice. Donc voilà, il faut savoir qu'on est dans un état de... Après, il ne faut pas s'étonner que dans les fichiers S, ils ne trouvent pas les vrais bandits, parce que s'ils se noient avec des trucs... C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, finalement, le fichier n'est pas fiable, parce que si on met des gens comme ce cantonnier, très sympathique et très honnête... Hein. Alors j'ai une annonce sur plusieurs manifestations qui vont se passer dans la semaine qui vient. Alors il y a des rediffs, hein, excusez-nous, mais bon voilà, le mardi 25 janvier, c'est-à-dire demain à 19h30, au centre Sebel, au centre Le Palabre, rue Sebel, il y a une information sur ce qui se passe pour le plateau des Gras avec la troisième centrale à bitume. Alors là aussi, tu as une réflexion. Bitume à chaud. Voilà, l'enrobé à chaud, eh bien oui, c'est très curieux parce qu'à la fois on est content. Moi, lorsque je suis automobiliste et que je vois de l'enrobé à chaud, c'est assez confortable pour rouler. Hein. Oui. Mais bon, on se dit aussi que par rapport à la pollution, ça pose quand même des problèmes. Donc on a les fesses un peu en deux chaises. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout envie d'avoir, disons, ce type d'usine polluante, hyper polluante d'ailleurs, hein, d'avoir ce type d'usine, disons, proche de chez nous. Et puis s'il faut être honnête, s'il y a peut-être des efforts à faire, des efforts de comportement, hein, si c'est pas chez nous, ben, il faut pas les vouloir ailleurs non plus, quoi. Ouais. Alors le jeudi 27 janvier à 14h au Champ de Mars, il y aura une grande manif sur les libertés, sur les salaires, sur les emplois et sur l'urgence sociale. C'est juste parce que on est dans le quinquennat Macron, peut-être, je sais pas. Enfin, ouais, voilà. Ouais. Il a tellement poussé tout le monde à bout que les gens en ont marre et ils font ce qu'ils peuvent pour se montrer et se faire voir. Ouais. La droite n'a pas de pensée sociale, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Ouais. C'est ce qu'il faut dire. Enfin, je pense, elle n'a jamais de réflexion sociale. Le social, c'est de l'argent dépensé, mal dépensé. Le pognon de dingue. C'est de pognon de dingue, voilà, ouais. Le fameux pognon de dingue dépensé pour les pauvres. Alors qu'aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, on a à peu près 10 millions de pauvres en France. 10 millions de pauvres en France. Bon, bravo le quinquennat Macron. Alors vendredi 28 janvier à 20h, au fil de l'eau, c'est un autre centre social, c'est à Pont-d'Aubenas. Là, il y a en fait des gens qui vont essayer de débattre sur la désertification médicale, sur le fait qu'on se retrouve vraiment dans la panade, parce que, donc toujours, quinquennat Macron, voilà, bravo la santé, là on est dans une panade complète, là, parce que dans la région, quoi qu'en dise un maire d'une grosse ville locale, on est vraiment dans la grande, grande panade, hein. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que nous. Aubenas ne fait pas l'exception, ou le canton, enfin le pourtour d'Aubenas ne fait pas l'exception, c'est général. Ouais. On ne peut pas dire que... Et alors là, on est bien content de voir des...
on va dire des émigrés ou des réfugiés ou ce qu'on veut, qui viennent pour pallier le manque de médecins ou de dentistes ou ce qu'on veut, et les professions médicales. Et par contre, j'ai appris que ces médecins étrangers, disons, étaient moins payés C'est comme ça. À l'hôpital. C'est du dumping social. Ils n'ont pas le même salaire. Parce qu'ils sont étrangers. Voilà. Alors, en même temps, il y a en ce moment un EHPAD en grève à Saint-Cernin, parce qu'il a été racheté par un autre propriétaire, et donc il y a les actionnaires, etc., qui font pareil, du dumping par rapport au personnel, et les gens sont vraiment pas contents, et donc en ce moment, Les résidents ont été solidaires, les familles de résidents ont été solidaires et sont sorties pour manifester avec le personnel. Parce qu'évidemment, les résidents sont les premiers impactés, pas les seuls, mais ils sont impactés par le manque de personnel et les conditions de travail. C'est le business fait sur les vieux, hein. Oui. C'est le business, c'est-à-dire tout est marchandise, tout est marchandise et tout est profit. Mais surtout qu'on va rentrer dans une période maintenant, là, que tout le boom après-guerre. Bon, allez, ils ont 75 ans, on va dire. Donc c'est une manne, hein, c'est une manne de gens qui vont en maison de retraite maintenant. Alors, une petite brève, condamnation d'un monsieur qui s'appelle Z, et de son comparse Jean-Claude Thierry de Bercegol du Moulin. Qui c'est celui-là? C'est le patron de CNews. Alors, tous les deux ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris pour injure publique à caractère raciste, vous voyez de quoi je parle, je pense, provocation à la haine avec violence. Entre autres parce qu'il y a eu des déclarations sur les mineurs étrangers qui sont des voleurs, des violeurs, des assassins. Et ce monsieur, en plus, est candidat à la présidentielle. Cherchez l'erreur. Parce que théoriquement, à la présidentielle, on est là pour rassembler les Français, non? Mais est-ce que les Français sont rassemblés et sont tous d'accord? Eh bien, ça, on peut se poser la question. Alors, c'est vrai que Zemmour, lui, il a une certaine conception, disons, de la France. Hein. Il parle toujours de l'exception française et il voit une France où il a envie de voir une France dans l'histoire unifiée. Mais toutes les conquêtes sociales, disons, il faudrait quand même qu'on lui rappelle, se sont faites plutôt dans le sang, hein, en tout cas dans la lutte. Hein. Et je pense, par exemple, aux éléments de l'histoire, par exemple, les Versaillais et les Communards. Je crois pas que les choses se soient faites en s'embrassant sur la bouche. Ouais, par exemple. Et puis, juste, il n'y a pas longtemps, là, les fusillés, pour l'exemple, ont été réhabilités. Hein, est-ce que ces fusillés, pour l'exemple, ils étaient d'accord d'être fusillés pour la France, hein, en gros? Bon, enfin, bref, voilà. Alors, c'est vrai qu'on voulait parler un petit peu du bilan Macron, parce qu'on pourra peut-être plus en parler quand il sera candidat, parce que pour l'instant, il n'est pas candidat, donc théoriquement, le CSA dit bien qu'il faudrait faire attention aux candidats qui sont officiels ou présumés, et d'ailleurs... Présumés, oui, je ne crois pas, ouais, je veux bien me présenter candidat. Ah, donc voilà. Denis est candidat, présumé. Denis est candidat, d'ailleurs, on est en train de voir un petit peu à Saint-Julien-du-Cerf à quel endroit on peut faire la photo. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un qui veut parrainer, je cherche mes 500 signatures. Et donc, c'est un candidat présumé. Et donc, ce soir, comme il n'a pas eu pour l'instant de temps d'audience... Je suis en retard. Il était en retard, voilà. Et on rappelle que tous les dons qui seront faits à Denis offriront, disons, 66% de réduction sur les impôts. Enfin, voilà. Alors, bon, ben justement, en parlant de fortune, alors il y a un rapport d'Oxfam... qui date de janvier 2022, hein, donc rapport tout récent, qui montre qu'en 19 mois, les riches ont plus augmenté leur fortune qu'en 10 ans passés, et le quoi qu'il en coûte a rapporté 236 milliards aux milliardaires. Tenez-vous bien, 236 milliards aux milliardaires. On pourrait avec ça quadrupler le budget de l'hôpital ou donner 3500 euros à chaque citoyen français. Moi, je pense que ces gens, quand même, ont quelque chose, et, psychologiquement, quand même, ça doit pouvoir se soigner, parce que... Il leur manque une case, hein. Lorsqu'on a de l'argent, alors par contre, s'il leur manque une case, c'est pas celle pour mettre les billets de 500 euros. Mais c'est vrai que lorsqu'on a de l'argent, qu'on a 3 yachts, 3 châteaux, ou 15 châteaux, 18 bagnoles, au bout d'un moment, quand même, on devrait arriver à être saturé au niveau de ses besoins, non? Moi, il me semble. Mais je ne vendrais pas complètement la peau de la personne en question. Il y a un cinéaste qui a filmé Macron pendant une semaine pour faire
un reportage sur lui, et il a dit c'est un mec super, vachement intelligent, tout, mais il lui manque une case. Il n'est pas très humain. Donc, quand même, voilà quoi, le constat. Les 5 fortunes, les 5 premières fortunes de France possèdent la même chose que les 40% des plus pauvres en France. Chercher l'erreur, quoi. Et on est théoriquement dans un truc où il y a marqué liberté, égalité. Non, j'ai pas bien lu. Fraternité, c'est fou, quoi. Voilà. Alors, sur les, il nous a quand même enfilé les lois travail. C'est la troisième, mais c'est, les trois sont d'inspiration Macron, hein, sous Hollande. Puis la loi El Khomri, c'était Macron qui était aux manettes, hein, faut pas croire. Et puis là, la troisième, enfin voilà, ouverture à la concurrence de la SNCF. Tu rappelais, Denis, qu'en Angleterre... Oui, bah, en Angleterre, c'est déjà fait, c'est Thatcher, la dame de fer, qui a déjà fait ça, et ben, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, le chemin de fer, ils sont partis en bibouine complètement, et maintenant, ben, l'État est obligé de renationaliser les lignes parce que, pour les remettre en état, parce que c'était une catastrophe. Déjà, la SNCF, il y a des problèmes, des fois, sur les voies, parce qu'ils n'ont pas les financements, mais là, en Angleterre, c'était vraiment une catastrophe. Oui, il y avait les trains partaient non seulement pas à l'heure, mais en plus, il y avait des problèmes, de gros problèmes de sécurité. Ah oui, oui. Alors, je vais vite. Suppression de l'ISF, réforme chômage, une vraie catastrophe. Casse de l'éducation nationale. Alors, là, par rapport à ça, tu avais des choses à dire, Alain. Alors, au niveau de Macron, moi, je crois que c'est un garçon, un jeune garçon, quand même, qui ose faire rapidement et violemment ce qui, à ce pas, peut-être, s'est pas fait. Par la droite, ou par la gauche d'ailleurs, mais qui était une gauche, une deuxième droite, plus ou moins. Une gauche molle. Il faut gauche molle. Il a une gauche molle, oui, très molle. Donc lui, il a osé faire, il ose faire les choses violemment. Et puis en fait, il y a des réactions, mais quand même, qui sont pas, disons, il y a eu les gilets jaunes, quoi. Sa dernière, c'est de faire payer l'université. Alors, il y a faire payer l'université. Sa dernière, c'est à croire que les jeunes qui vont à l'université, c'est des glandeurs qui vont là pour passer l'année tranquille. Du coup, il faut les faire payer pour les éliminer. On ne cherche pas pourquoi ça en est arrivé là, pourquoi les universitaires prennent des cours dans les cages d'escalier, sur les descentes dans les amphithéâtres, ou debout dehors dans les couloirs. Non, on ne cherche pas pourquoi. On leur dit, vous êtes des planqués qui cherchent à venir passer une main gratos et toucher les bourses. Et il a commencé son quinquennat, je pense que vous vous en souvenez, en faisant la soustraction de 5 euros sur l'APL. Hein. Oui. Alors qu'il y a des jeunes, leur enlever 5 euros, c'est carrément leur empêcher de manger. Il n'a pas conscience de ça, il nage dans le pognon. Alors. Il a enlevé 5 euros sur l'APL en demandant aux bailleurs sociaux de réduire les loyers de 5 euros. Donc certains l'ont fait, j'ai vu des articles, certains l'ont fait, du coup, eux, c'est eux qui ont été en difficulté après dans leur investissement. Du coup, ben, ils ont moins investi dans la réhabilitation, l'énergivore, et du coup, ça pénalisait parce que du coup, ben, ouais. Ils ont moins travaillé, les salariés ont moins travaillé pour eux, et du coup, ben, c'était la boucle, quoi. Et la sortie, un truc qui est déjà antisocial, ça s'est traduit et ça a augmenté, quoi, c'est l'effet boule de neige. Alors bon, que Macron soit complètement vraiment très très à droite, sur une droite dure, moi je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de doutes, hein, surtout quand on se rappelle la sécurité globale, la loi sur la sécurité globale, dont le Conseil constitutionnel a retoqué le truc sur les drones et sur les films pour filmer les policiers, mais enfin, n'empêche qu'il y a plein de choses qui sont passées, avec le séparatisme et tout. Enfin bon, voilà, on n'est absolument pas là pour arriver à rassembler les gens, on est là pour les diviser, quoi. Ben, c'est le néolibéralisme, donc c'est le marché. Hein, il croit qu'il y a une chose, c'est au marché. Et il n'hésite pas, disons, à broyer de l'humain, voilà. au nom du profit. Catastrophe pour la santé, suppression de lits, désertification médicale, enfin, etc. Et puis beaucoup d'insultes aussi, hein, par rapport à tous les Françaises et les Français. Oui, oui, oui. Hein, distribution d'un pognon de dingue, voilà, Gaulois réfractaire, et puis maintenant, il emmerde les non-vaccinés. Voilà, c'est ça. Alors, petit point sur le CSA qui pourrait... voir sur notre temps de parole, là, aujourd'hui, bien qu'on soit pour le candidat Denis. Hein. Okay. Depuis le 1er janvier jusqu'au 7 mars, il faudra respecter le poids de chaque candidat. Alors, peut-être que tu pèses que... Oh, pas lourd, 72 kilos. Ah, voilà, ben, c'est pour ça, là, en fait, tu vois. Voilà. Alors, et que les candidats soient officiels ou présumés. Et donc, toi, tu es un candidat présumé. Ensuite, du 8 mars au 27 mars, le dispositif sera renforcé. Alors, tu auras peut-être plus de chances. Là, il y aura une équité, normalement.
prise en compte du temps de parole jour et nuit, c'est-à-dire si tu passes une audience de jour ou une audience de nuit. Et puis, à partir du 28 mars jusqu'au 8 avril, la campagne officielle. Alors là, il y a égalité des temps de parole. Nickel. Tu peux rêver. Oh, oui, on peut rêver, oui. Denis, c'est le candidat de votre vie, c'est le choix de votre vie. Alors, théoriquement, dans l'année, le CSA surveille un tiers de l'exposition médiatique pour la majorité, deux tiers pour l'opposition. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça ne me parle pas. Le temps de parole du président n'est décompté que s'il a trait au débat politique, partisan. Il ne sera pas décompté en tant que président de l'Union européenne. Voilà, depuis 2017, le CSA lutte contre la diffusion de fausses infos. Mais en 2017, Mediapart a révélé que les remises pour location de salles à Macron étaient scandaleuses. Mais après expertise, elles ont été acceptées. Moi, ça me rappelle que Sarko et son équipe, Guéant, Lavrieux, tout ça, ils viennent d'être condamnés pour... voilà. Mais donc, il ne faut pas désespérer. Mais ouais. dans les salles presque gratuites, il y avait à Marseille, donc Marseille, c'est Darmanin, et puis il y a eu la péniche à Lyon, par le maire de Lyon à l'époque, qui avait fait un cadeau somptueux. Mais d'ailleurs, ils ont été très bien remerciés. Macron, de ce côté-là, il renvoie l'ascenseur. Hein, et tous les deux ont été ministres. Hein. Oui, c'est ça. Alors moi, je voulais faire un petit point sur la primaire populaire. Alors je leur suggère de faire une primaire populaire aussi pour la droite dure. Par exemple, ils pourraient prendre Le Pen, Zemmour, Pécresse, Macron, et puis sans leur demander leur avis, et faire un tri. Et puis on aurait un candidat surprise du genre Sarkozy qui arriverait, et hop, et voilà, à la primaire de droite. Ça serait, enfin, c'est plus que de droite d'ailleurs. Et voilà, et sur des valeurs communes, non? Ils sont tous pour... apparemment, oui. Ils ont quand même des valeurs communes. Ils doivent pouvoir s'entendre. Voilà, parce que, alors, cette rigolade-là, c'est parce que la primaire populaire dite de gauche, c'est un peu la même chose. D'abord, ne sont pas retenus les candidats qui sont trop à gauche. Ah non, parce que la gauche radicale... C'est la gauche radicale, alors Poutou, Roussel, non, c'est pas bon. Alors... Ils ont retenu quand même Mélenchon, mais parce que je crois qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais autrement, c'est difficile quand même. C'est dit, mais avec difficulté. Et ils ont retenu des gens comme une fille qui s'appelle Marchandise, ça veut tout dire, je trouve. Et elle, mais c'est pas une petite candidate. Quoi. Elle va faire 0,5%, mais Poutou fera peut-être plus qu'elle. Mais c'est pas une petite candidate, ils la retiennent. Enfin bon, voilà. Alors c'est dénoncé par Le Canard, par Marianne et tout, parce que en gros, tout ça, cette primaire populaire, sert à empêcher les signatures pour ces gens, pour Hidalgo qui dénonce le truc, pour Roussel qui dénonce le truc, pour Jean-Luc Mélenchon, pour Jadot, etc. Et tout ça, ça avec un pacte, un serment, le serment de Romainville, où quelques maires se sont engagés à ne pas donner leur signature à des candidats qui ne feraient pas partie de cette primaire populaire. Alors, moi, en tant qu'ancien maire, disons, je voudrais rappeler à mes collègues maires aujourd'hui que c'est important, disons, de donner sa signature. C'est très important parce que c'est pas du tout un engagement, une adhésion au candidat, mais c'est simplement permettre... disons, au maximum de gens de pouvoir se présenter. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Et la démocratie, c'est quoi? Ben, c'est la différence. Hein, c'est reconnaître la différence et c'est permettre... Chacun représente quand même représente un courant. Donc il faut bien que tout le monde puisse s'y retrouver. Et on n'est pas là pour adhérer, et pour c'est pas du tout comme lorsqu'on est citoyen qu'on vote. Là, on vote sans qu'on croit. Là, on peut donner, disons, à de petits candidats pour permettre à des petits candidats de pouvoir se présenter et de pouvoir représenter ces citoyens qui pensent comme eux, sur le territoire. Oui, mais certains maires ne veulent pas se mettre en avant. Ils veulent pas se mettre en avant. Ils veulent pas se mettre en avant par rapport, aux générales. Ils veulent plaire à leur région. Ils veulent plaire, disons, à la fois à leur électorat et à la fois plaire aussi pour des subventions ou pas déplaire. Voilà. Hein, et des fois, les maires, eux, ils demandent au conseil municipal leur avis. Je finis vite fait sur la primaire populaire parce qu'on est dans le temps imparti. Samuel Grybowski, là, le porteur du
projet de la primaire populaire, il dit dans une vidéo hallucinante que tout ça, ça va servir à faire chuter la cote de popularité de Jadot, Roussel, Hidalgo, GLM, etc., pour les empêcher les prêts bancaires pour ces gens-là, pour pas qu'ils puissent se présenter, quoi. Et puis, en même temps, on va collecter les datas, c'est-à-dire les informations sur tous les gens qui sont inscrits, et comme ça, on sera la plus grosse data, il explique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est une atteinte à la démocratie. Ah oui, c'est une atteinte complète à la démocratie. Alors, je vous suggère d'aller voir deux vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, qui ont été mises sur la chaîne Pluriel au pluriel, et qui vous parlent de la primaire populaire. Une vous montre la vidéo de Samuel Grabowski, et une autre vous montre l'arrivée de Taubira devant Delahousse, qui l'interviewe, et c'est hallucinant. Je vous assure, c'est hallucinant. Bon, je vous remercie. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. À 15 jours.